Et bonjour, on se retrouve pour la suite de Détroit devient humain, comme on dit. Nouveau chapitre, on vient de laisser partir deux déviantes avec Connor. Donc je sais pas si elles vont être utiles pour la suite de l'histoire ou quoi. Mais du coup là on se retrouve je pense avec Kara. J'ai vite fait de commencer la cinématique sans faire exprès. Donc j'ai mis pause. Donc bah c'est parti. En ce moment, quand on voit Kara, on est tout le temps en danger. Donc... Ah putain, c'est vrai qu'on est avec Luther. Je l'avais oublié lui. Je l'avais oublié. Ah, je peux changer. Autonomie. 30 Fahrenheit. J'arrive pas à faire la conversion entre Fahrenheit et... Coucou. Pourquoi elle me regarde comme ça? Je t'ai sauvé la vie, hein. Destination, distance. C'est la première fois que je vois de la neige. C'est beau. Ça nous ralentit. Mais au moins on est sûr de ne pas croiser d'humains sur la route. Sa voix me dit quelque chose. Heureusement que Zlatko avait une voiture. J'aurais pas voulu qu'Alice ait à marcher par ce froid. Je l'ai vu un jour dans le garage. Je ne sais pas si Zlatko s'en est déjà servi. Ces gens que nous allons voir, comment t'as entendu parler d'eux? Par des androïdes que Zlatko avait capturés. Ils disaient que des humains aidaient les androïdes à traverser la frontière. Et si c'était un mensonge? Si c'était un autre piège. Tout ce que je sais, c'est que ces androïdes y croyaient. Jusqu'à ce que Zlatko les tue. Regarde le devant toi quand tu conduis, par contre, mon gars. Ah, mais il conduit pas, c'est un automatique. Quoi? Freinage d'urgence activé. Le mec il dit regarde la route quand tu conduis alors que c'est un pilote automatique. Le mec il suit rien du tout. Ça me tue. Ce n'est pas bon signe. Ah bon? Waouh, on dirait K2000. Reste dans la voiture, Alice. En plus, on est au milieu de nulle part, il n'y a vraiment rien du tout autour, que des arbres. Tu me fais le coup de la panne là, Luther? Parce que bon. C'est vieux jeu, hein, le coup de la panne. Qu'est-ce qu'on va faire? Je ne sais pas. Ça me fait penser au clip Thriller de Michael Jackson. Il fait moins 10 degrés, Alice n'y arrivera pas. On doit trouver un endroit où passer la nuit. Ah, encore. Il n'y a nulle part où aller dans les environs. Oh, t'es sûr? Alors, moi je vais aller dans la forêt, je vais te trouver la maison du Père Noël. Tu vas voir. Il y a un panneau par là. Voilà. Pirate. Ah bah parfait, on va trouver le One Piece. On doit trouver un abri. On peut pas rester dans le froid. Cet endroit a l'air abandonné depuis un bout de temps. On peut faire des manèges? Attends, on est où là? Je comprends pas. On est là.
vous êtes ici. Si on va tout droit, à notre gauche, il y aura la grande roue. Ensuite, il y aura un navire à bascule. Tout droit, il y aura les montagnes russes. À droite, il y aura la pieuvre qui avale un navire. Oh. Ouais. Vas-y. C'est un bâtiment, ça, non? Tu vois quelque chose? Non, nulle part où passer la nuit. Ah, y a plus la grande roue? Ah, c'est tout là-bas. Eh ben tant pis, on tue Luther et on passe à deux. Ah, ça a été un truc. Il y a un YK400 d'Android. Il est parti apparemment. Ça veut dire qu'on n'est pas seul. Cet endroit tombe en ruine. Ouais, ouais. On va avoir du mal à trouver un abri. Ici, là, tranquille, c'est une grande maison. Tu casses une fenêtre et ça passe. Enfin. À l'air sûr. Le l'air, il me fait peur. Sinon, il y a un carrousel. Ouais. Je vais le faire. Excuse-nous. Vas-y, montre-nous ta virilité, vas-y. J'aurais pu le faire. Donne pas de coup de pied. Et comment on referme la porte? Et voilà. Et voilà, gros con, on va se geler maintenant. Quoique, là, il y a un trou dans le toit, donc... ouais. C'est un androïde. Le pirate derrière nous, c'est un androïde. Installons-nous pour la nuit. Je vais faire du feu. Préparer un lit pour Alice, regardez dans le sac de Luther. L'USS Iowa a disparu. On s'en fout. Un groupe androïde nominé pour une récompense. On s'en fout. Examiner l'arme, proposer un gâteau. Il reste quelques gâteaux. Est-ce que tu en veux? Non merci, j'ai vraiment pas faim. Oh, Michette. Bon, on va te faire un nid, tu vas voir. Je vais faire de cet endroit un véritable palace.
dors devant la cheminée. Ouais. Alice ? J'ai vu un truc par terre. Je veux voir ce que c'est. C'est juste un... On peut parler à Luther de là ? Elle va avoir une famille qui rigole, elle va se demander pourquoi elle n'a pas la même famille. Est-ce que tu penses qu'on sera comme eux un jour ? Quand on aura passé la frontière, on pourra repartir à zéro. Tu pourras aller à l'école. Super ! Trouver un travail. On vivra comme eux. Il y a des trucs plus heureux à dire. Comme tout le monde. Tant qu'on est ensemble, c'est tout ce qui importe. Oh. Allez. Allez, viens te coucher. Bordée Alice. Non, c'est le livre à lire, on s'en fout. Bonne nuit, Alice. Faites vos rêves. On dirait qu'elle est morte là par contre. Tu peux me raconter une histoire, Kara ? Il y a 9000 histoires pour enfants dans ma mémoire. Ah ouais. Je devrais pouvoir t'en trouver une. Raconte One Piece. Princesse, licorne, chevalier. Il était une fois une superbe licorne. Non, pas une histoire comme ça. Tu peux en inventer une. Oh. Il était une fois une petite fille qui... qui vivait toute seule dans une grande et vieille maison. Elle rêvait d'être comme toutes les autres petites filles, mais... l'ombre qui vivait à l'intérieur d'elle l'empêchait d'être heureuse. C'est alors qu'elle rencontra un robot-fille. Tout aussi perdue que la petite fille. C'est pourquoi ils décidèrent de s'enfuir ensemble. Pour vivre une vie meilleure. De terribles dangers se dressaient sur leur chemin, mais... mais elles restèrent ensemble et finir par tous les surmonter. Pendant leur voyage, elles rencontrèrent... un gentil géant. Il s'est tourné vers nous en mode quoi ? Elle finit comment l'histoire ? J'ignore pourquoi, mais... mais toutes les histoires ont une morale. Quand on sera arrivé au bout de la nôtre, on la découvrira. Allez, au dodo. On a encore une longue journée qui nous attend demain.
J'ai été trop sérieux, je crois. Tu voudras bien venir me dire bonne nuit, non, Luther? Oui. Oui, bien sûr. Bonne nuit, Alice. Ça c'est de beaux rêves. Ça semble pas du tout sincère. Du coup, Kara, elle attend comme ça pendant des heures le temps qu'Alice se réveille. Eh ben putain. Vu qu'elle a pas besoin de dormir. C'est une bonne petite. Ouais. Elle est très courageuse. Est-ce que tu sais ce que tu vas faire une fois au Canada ? Je n'y ai pas encore réfléchi. Je n'ai jamais été libre avant. Libre. J'aime bien ce mot. Mais je ne sais pas vraiment ce qu'il signifie. Il neige encore. On a une longue route demain. On ferait bien de partir tôt si on ne veut pas être vu. Kara, tu n'as jamais rien remarqué de différent chez Alice. Non. Qu'est-ce que tu veux dire? J'en étais sûr. Kara! J'en étais sûr. Quand j'ai vu qu'il manquait un androïde, je me suis dit que c'était... protéger Alice. Oui, on va protéger Alice. Prendre l'arme. On peut prendre l'arme, mais... Luther, il sera meilleur. On va protéger Alice. Voilà. Qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous voulez? Laissez-nous tranquilles! N'ayez pas peur. Nous ne vous ferons rien. Nous sommes comme vous. Nous nous appelons Jerry. Nous travaillons ici avant que le parc ferme. Parfois, les humains viennent nous faire du mal. Nous sommes venus voir qui vous étiez. Pardon de vous avoir fait peur. Que faites-vous ici? On cherchait juste un endroit où passer la nuit. On sera partis demain. Une petite fille? Aïe, aïe, aïe. Ça fait bien longtemps que nous n'en avons pas vu. Les enfants adoraient venir ici. Elle a l'air triste. Ces derniers jours ont été difficiles pour elle. Nous avons quelque chose de très amusant à lui montrer. Elle va adorer. Est-ce que ça lui dit? Je crois pas qu'elle... Alors il faut qu'elle nous suive. Alice, je pense pas que ce soit tu une bonne idée. Kara? Je crois que tu n'as pas le choix. Bienvenue. Ah. La petite fille peut monter. Et moi? Le manège va bientôt partir. T'es censé dormir quand même.
première fois que je la vois sourire. Elle n'a pas eu beaucoup d'occasions de sourire dernièrement. Ok. Premier sourire. Profitez un moment. Putain, j'ai tout débloqué en fait. À part. Bon, j'ai pas lu un des articles. Et. Et j'ai loupé deux interactions. Et je sais pas ce que j'ai loupé dans la voiture. Ok, bon, bah c'était cool. C'était cool. Ah, opinion publique hostile. Avant, c'était. C'était pas hostile avant, c'était moins. C'était genre. Mauvaise, genre un truc comme ça. Pourquoi ça a baissé là, l'opinion publique? Dans ce chapitre? Ou alors c'était au chapitre d'avant et j'ai pas vu. Je sais pas. Bref, c'est pas grave. Sur ce, à la prochaine. Portez-vous bien. Blablabla. Bla, 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 bla.